Shalom, shalom, peuple de Dieu. Je vous salue de partout, vous qui me suivez. C'est pour vous, le prophète Jean-Luc Kamali. Je bénis le Seigneur qui nous donne à ce moment-ci la force et l'énergie de pouvoir nous retrouver devant son peuple que vous êtes et de pouvoir parler de sa part. Je remercie Dieu dans son amour et dans sa bonté. Prions. Éternel des armées, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac et de Jacob. Seigneur, prends-moi par ton amour et par ta bonté. Guide et conduis-moi et sois avec moi. Je demande que ta faveur et que ta puissance, que ce message aille partout et que ton peuple puisse l'écouter au nom de Jésus. Amen. Ma Bible déclare que les ténèbres ne régnera pas toujours. Les ténèbres ne régnera jamais pour toujours. Je te demande d'ouvrir ta Bible. Tu vas un peu lire ce verset avec moi. Ésaïe chapitre 9, le verset 1er. Je lis au nom du Seigneur Jésus. Les peuples qui marchaient dans les ténèbres voient une grande lumière sur ceux qui habitaient dans les pays de l'ombre de la mort. Une lumière resplendit. Alléluia. Je bénis le Seigneur et je le remercie pour ce moment et pour ce temps. La Bible est en train de dire, et l'Éternel est en train de parler et dire que les ténèbres ne régneront pas toujours. Nous lisons des Écritures dans le livre d'Ésaïe qui dit que les peuples qui marchaient dans la vallée de l'ombre et de la mort, il a vu subitement la lumière. La vallée de l'ombre et de la mort représente tout le mal dans lequel le peuple peut être guidé et conduit, que le méchant de ce monde peut amener les gens. Et la lumière de Dieu, ça peut être sa justice, sa bonté, son amour, sa grâce et tout. Je vis quelque chose et j'ai posé la question à Dieu et le Seigneur m'a répondu. Je vis un filet. Je vis ça, ce que je vais te montrer là. Je vis ça. Tu vois ça? C'est ce que je vis. Je vais te le ramener pour que tu le voyes encore très bien. L'Éternel est bon. Il est bon pour toujours. Je vis ces filets ici. Je vis les filets et je vois les filets ici aux États-Unis. Et on prend ces filets, on les jette. Et quand on jette le filet, on commence à tirer. Et après, quand je regarde qui ont jeté les filets, et qui sont en train de tirer les filets, je vois des choses qui ne peuvent être comprises que par l'esprit, non pas par la chair. Je vois ces gens. Voyez ces gens? Je vis ces gens. Ce n'était pas un uniforme, mais je vis ces services ici. Les FBI ont jeté les filets. Et quand ils ont jeté le filet, je le vois commencer à arrêter les gens. Et je pose la question, je dis quoi, Seigneur? Le Seigneur me dit que je vais utiliser ses services dans ces pays pour pécher pour moi. Et là, je n'ai pas compris. Je lui dis, Seigneur, je n'ai pas compris, explique-moi. Il me dit qu'il va jeter le filet. En utilisant ce service qui est le Bureau fédéral pour l'investigation, comme il m'a appelé FBI. Et il va arrêter beaucoup de gens aux États-Unis. On va arrêter beaucoup. Ce n'étaient pas des étrangers, ce n'étaient pas des sans-papiers, mais des Américains, des politiciens, des hommes de la loi, dans la police, dans l'armée. Un coup de filet
va être jeté. Et curieusement, j'ai vu ces gens du côté des démocrates. Dans le cas de Biden, on va jeter un filet. Et le Seigneur me dit, je ne peux pas. Je ne veux pas utiliser la CIA. Je demande, Seigneur, pourquoi? Il me dit, la CIA, c'est le fils du diable. Il dit, ah bon? Il dit, oui, je ne peux pas utiliser la FBI. La CIA, c'est le fils du diable, mais je vais utiliser l'FBI pour arrêter et maîtriser tous ces gens. On ne m'a pas donné la raison. Mais je ne sais pas non plus ce qu'ils ont fait. Je suis sorti de la vision. Je suis en train de me poser la question, est-ce que ça n'aura pas trait avec le dernier développement de situation de ces fameux multiples de dossiers qui ont été balancés par CNN et consorts. Je suis en train de me poser la question, qu'est-ce qui va se passer? Mais les ténèbres ne régneront pas toujours. C'est quand des démocrates ont fait tellement de mal à beaucoup de gens avec leur politique. Ils sont la cause de beaucoup de souffrances dans nos pays africains. Ils sont la cause principale de la guerre des génocides, même si on se cache, bien qu'il y avait d'autres raisons, du génocide au Rwanda. Ils sont la cause du génocide en RDC. Ils sont la cause de la guerre en Syrie. Ils sont la cause de la situation actuelle de l'Ukraine, ils sont la cause partout. Lorsque les républicains étaient là, ils sont même partis se serrer les mains avec le président Ris, ne voulant pas la guerre. Mais les autres sont venus. À l'époque, le Seigneur m'avait révélé quand l'autre messie était avant Biden, qu'il devait y avoir une très forte guerre en Iran. Mais il avait été révélé du mal qui devait arriver aux dirigeants de l'époque. Et ils ont dit appliquer un autre système puisqu'il devait y avoir beaucoup de dommages collatéraux. Et aujourd'hui, Dieu se décide de jeter les filets et arrêter les gens. Je sais la sensibilité de ces messages, s'il vous plaît. Et je connais que le Seigneur qui m'a envoyé informer son peuple de ces choses. Lorsque vous allez voir des choses se passer, sachez que Dieu est en train de nettoyer. L'Éternel veut nettoyer. Dans ces pays-là, il y a des choses qui sont devenues plus pures que vaudrait un nettoyage de la part du Seigneur. On va arrêter les gens. On va arrêter les politiciens. On va arrêter les chefs d'entreprise. On va arrêter ceci et cela. Il y a tellement de choses qui sont cachées que l'Éternel s'est décidé aujourd'hui de les mettre à nu. Apprêtez vos oreilles pour entendre, pour écouter et pour savoir les complots, les ceci et cela, les secrets vont sortir à gauche comme à droite. Par la suite, le Seigneur va continuer à faire grand chose. Je vais vous parler d'autre chose après. Mais je vous dis, je vois un filet. Je vois un filet. On tire. Au jour de la détresse, les méchants, sa méchanceté ne servira à rien. Que Dieu te bénisse, toi qui as écouté ce message. Partage-les à quelqu'un, à celui qui est en train de prier, qui pleurait chaque jour, Seigneur, pourquoi notre terre est devenue comme ça? Pourquoi le mal? Dieu agit à son temps quand il trouve bon, selon son amour, selon sa divinité, selon sa gloire et sa grâce. Il n'agit pas comme toi. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Si tu n'es pas encore abonné à la chaîne La Vérité, abonne-toi. Le filet, il va te prendre. La chaîne, elle s'appelle La Vérité Miracle. Moi, c'est le prophète Jean-Luc Amadé. Mon contact, c'est le plus 46
73, 95, 76, 742. Les filets. Dieu ne va pas utiliser les fils du diable. Il me dit que la CIA, c'est les fils du diable, il ne va pas l'utiliser. Mais il va toujours utiliser vos propres instruments. Les choses que vous avez mises en place. Et il va vous confondre, le Dieu de la confusion. Comme il avait confondu Pharaon. Vous serez confondus au nom de Jésus. Shalom. Que mon Dieu vous bénisse.